concevoir un cocktail avec du calvados. C'est le défi peu commun de ces barmen. Cet alcool normand, Gabriele l'a découvert l'année dernière. Cet apprenti barman est italien et dans quelques minutes, il va présenter sa recette sur scène. Je vais choisir la meilleure pomme. Son cocktail, il a mis plusieurs semaines à l'élaborer. L'objectif, trouver l'équilibre parfait. Si on le boit comme ça simplement, c'est vraiment fort, c'est assez arrogant. Du coup, je cherchais à adoucir voilà, la puissance de calvados. Gabriele a choisi de mélanger au calvados de la liqueur de framboise, de l'apérol, du sucre de la menthe et de l'angostura. Un cocktail qu'il réalise sous les yeux d'un jury qui note sa dextérité et son savoir-faire. Gabriele a 5 minutes seulement pour remplir 4 verres. Le jeune homme est tendu. La fin de l'épreuve est un soulagement. Vous avez vous mes mains ? Ben ça c'est le jeu, hein. Sans ça on n'est pas normal. On a des émotions, et c'est bien de chercher de les cacher, mais au final quand c'est vraiment c'est l'émotion que c'est comme ça, il faut la laisser un petit peu aller. Mais l'épreuve n'est pas tout à fait terminée. Les verres doivent maintenant être goûtés par un jury d'experts. Ici on note l'apparence, l'odeur, mais surtout le goût. Et le cocktail de Gabriele marque des points. Le goût, il est très très intéressant. Il est, on est sur quelque chose d'assez amer, avec une note qui revient après en bouche, en second goût. Celui-là, par exemple, on peut le reprendre une deuxième fois. Au total, une quarantaine de barmen se sont affrontés aujourd'hui. Mais le grand gagnant du jour, c'est sûrement le calvados. Ainsi mis en avant, l'eau de vie n'est plus un digestif un peu désuet et apparaît plus élégante. Mais qu'il faut toujours consommer avec modération.